Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 28 décembre 2021. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que les fêtes se sont bien passées comme pour tout le monde. Et puis voilà, donc désolé pour hier, j'ai pas pu vous faire le prono. J'étais pas chez moi, donc petit souci. Donc voilà, j'ai dû courir un peu partout sur Nîmes. Donc voilà, pour un cadeau à mon fils. Donc voilà, pour le compléter. Donc ceci étant dit, ben écoutez, j'espère que tout va bien. Donc on est reparti pour les pronostics. Donc on y va, sans plus tarder. C'est parti les amis, on va aller voir tout de suite le Quinté Plus. Donc on va voir le programme. Donc le programme du Quinté. Donc c'est la R1C1 à Vincennes à 13h50. Ce sera de l'attelée sur 2700 mètres. Il y aura 16 partants, 58 000 euros d'enjeu. C'est une course européenne et c'est une corde à gauche. La liste des partants, la voici. Donc voilà, j'ai pas retaillé, mais bon, c'est pas grave. Donc la voici, donc Fakir Demeney pour le premier. Donc je ne vais pas tous les énumérer, hein. Nous, il n'y en a que quelques-uns d'ailleurs, ce Fakir n'y est pas dans mon jeu, vous le verrez. Donc, ceci étant dit, allons-y, passons au pronostic Quinté Plus. Donc, mon niveau de confiance, il est de 3 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 6, Vaprio, qui sera drivé par Gelor Mini. Ma base sera le 14, Ending Reference, drivé par Bazir. Mes outsiders seront le 11, Eagle Meslois, drivé par Abrivar. Le 2, Rocky Tilly, drivé par Ploquin, et le 12, The Loup, drivé par Ouvry. Mon regret sera le 3, Falco Berry, drivé par Abrivar. Alors, je vais faire une petite pause vite fait. Je vous mettrai les résumés de cette vidéo-là ce soir. Donc, vous inquiétez pas, elles arriveront tout de même. Voilà, donc elles seront là ce soir vers 17-18 heures. Allez, on continue. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, mon 2 sur 4 sera le 6 et le 14. Mon 2 sur 4 combiné sera le 6, 14, 7. Mon couplet sera le 6 et le 14. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 6, 14, 7. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 6, le 14, le 7 et le 11. Mon multi en 7, un champ total, sera le 6, 14, 7, 11, 5, 2 et 8. Et 2, pardon. Mon multi en 7 normal sera le 6, 14, 7, 11, 5, 2 et là on peut mettre le numéro 8. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 6, le 14, le 7, le 11 et le 5. Pour ce qui est de ma sélection ou de mon jeu à 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné à 8 que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, ce sera le 6, le 14, le 7, le 11, le 5, le 2, le 8. Et le 12. Et mon cheval de complément sera le numéro 3, qui est mon regret. Donc voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus. Donc je vous mettrai les résumés. Vous savez, comme je mets voilà, je mets cette vidéo-là. Et après je mets des petites vidéos en plus qui sont tirées de cette vidéo. Donc voilà, elles arriveront ce soir. Ça fait des vidéos moins longues. Et la grosse vidéo pour faire plaisir à tout le monde. Allez, on y va pour mes trois bases. Tout de suite, c'est parti. Donc, on y est, on y va.
Donc, voilà pour mon favori. Donc, mon favori qui sera le 6, Vaprio. Donc, musique intéressante, Déféré des 4. C'est un mal de 7 ans, j'ai l'Ormini aux manettes. Gossiadoro, l'entraîneur. 5 courses courues, une victoire, une fois de deuxième et troisième et trois autres. Donc, 40% dans les trois premiers. Donc, cheval intéressant. Donc, moi, je ferai avec lui, hein, avec ma base et mon tocard. De toute façon, c'est mes trois bases. Je les tiendrai comme ça. Donc, on va aller voir ma base tout de suite. Donc, le 14 ending référence qui sera sûrement le favori de la course. Donc, pareil, Déféré des 4. Donc, c'est un nombre de 7 ans. Bazir aux manettes, Bazir l'entraîneur. 6 courses courues, 3 victoires, une fois deuxième et troisième, deux autres. 67% dans les 3 premiers, donc fort intéressant. Donc, ne l'oubliez pas ce cheval. Parce qu'il pourrait faire la tête de course facilement. Pour ce qui est de mon tocard, donc ce sera le 11 Eagle Meslois. Donc, cheval pareil, intéressant pour mettre en tocard avec sûrement un beau rapport à la clé. Donc, c'est un ongre de 7 ans. Abrivard aux manettes. Beloche, l'entraîneur. 68 courses courues, 12 victoires, 13 fois deuxième et troisième, 43 autres, 37% dans les trois premiers. Donc je pense que ça peut faire le job. Donc on va aller voir ma dernière minute tout de suite. La voilà, ma dernière minute. Hop, attends, je marque pour les chapitres. Donc le 4, Pinto Bob. Donc c'est un ongre de 6 ans. Goupe aux manettes. Berg, l'entraîneur, 4 courses courues, 0 victoire, une fois, deuxième et troisième et trois autres. Donc, cheval aléatoire, on va dire, qui me plaît un peu moins sur le fond, malgré Goupe, qui était un très bon jockey. Mais voilà, je l'écarte de mon jeu. Sincèrement, je préfère. Je mettrai une petite pièce dessus, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Au moins, s'il rentre, s'il rentre dans les trois, ça rapportera quelque chose. Ceci étant dit, on va passer à mon pronostic pick 5. Donc, allons-y. Donc, mon pronostic pick 5. Donc, pour la première course, ce sera la R1C5 à 16h10 à Vincennes. Ce sera de l'attelée sur 2100 mètres et il y aura 13 partants. Mon pronostic pick 5 sera le 9, le 7, le 4, le 5, le 6, le 3, le 10 et le 12. Mon regret sera le 8 et mon jeu simple, mon favori, sera le 9. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R1C7 à 17h20. À Vincennes, ce sera de l'attelée sur 2100 mètres et il y aura 15 partants. Mon pronostic pick 5 sera le 8, le 10, le 7, le 4, le 3, le 15, le 2 et le 14. Mon regret sera le 9 et mon jeu simple, mon favori, sera le 8. Donc, ben, les amis, voilà pour le pronostic pick 5 de ce mardi 28 décembre. Ben écoutez, petit cadeau, on va continuer avec la réunion 1. Hein? Voilà, au moins comme ça, ce sera fait pour tout le monde. Donc, on y va. Donc, pour la réunion 1, donc, qui se déroulera celle-ci à Vincennes. Donc, hop, je prends cahier magique. À Vincennes, à 13h50, il y aura 8 courses et ce sera de l'attelée et du monté. Donc pour la course 1, mes chevaux seront le 6, le 14 et le 7. Mon favori sera le 6. Pour la course 2, mes chevaux seront le 6, le 11 et le 8. Mon favori sera le 6. Pour la course 3, désolé. Pour la course 3, mes chevaux seront le 7, le 15 et le 13. Mon favori sera le 7. Pour la course 4, mes chevaux seront le 5, le 10,
et le 9. Mon favori sera le 5. Pour la course 5, mes chevaux seront le 9, le 7 et le 4. Mon favori sera le 9. Pour la course 6, mes chevaux seront le 3, le 5 et le 8. Mon favori sera le 3. Pour la course 7, mes chevaux seront le 8, le 10 et le 7. Mon favori sera le 8. Et pour la course 8, mes chevaux seront le 2, le 7 et le 4. Mon favori sera le 2. Donc voilà les amis pour la réunion 1 à Vincennes. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir mes autres chaînes YouTube qui sont ci-dessous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Voilà, je sais qu'en cette période c'est difficile, mais ça fait vachement plaisir. Et moi je vous dis à plus tard. Bye les potos.